Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut être en direct sur le Portail Zen, sur la page Facebook, parce qu'il y a un problème au niveau de Facebook. Donc, on va le faire enregistrer et je vais le rediffuser et dans Facebook et sur YouTube. Donc, aujourd'hui, mon invité, c'est Julie Lesage, artiste peintre. Julie, bienvenue à mon émission. Merci d'être là. Je trouve ça génial de pouvoir te parler et parler de ton parcours, parce que moi, ça fait une couple d'années que je... C'est surtout une toile qu'il y avait chez ma belle-mère que j'ai fait « Oh! C'est tellement beau! » Que je trouve ça génial de pouvoir te rencontrer et te parler en personne. Alors, ça va bien, Julie? Ça va super bien. C'est un plaisir partagé, évidemment. Voilà, ça fait plaisir de partager avec toi. Super. Et nous, on doit se dire qu'on va se voir en mois de mai en France. On s'en va toutes les deux rejoindre Catherine Martin en France. Ouais. On va être un groupe de Québécois d'ailleurs. Ouais. Alors, et toi, tu vas peindre là-bas. Alors, ouais. On va parler de ça aussi durant notre entrevue. Ouais. Donc, Julie. Parle-moi de toi. On a fait un petit peu le tour cette semaine. Alors, toi, ça part d'où ton inspiration à la peinture? C'est sûr que tu as eu un cheminement au niveau de la spiritualité. Oui. Bien, c'est un langage, hein. Premièrement. Dès que j'étais jeune, c'était mon talent. En fait, à un moment donné, on est soit sportif, soit artiste. Moi, j'étais artiste. Mais j'étais très timide, j'étais très réservée. J'étais quand même, surtout à l'école et tout ça. Fait que c'était un moyen pour moi de prendre une certaine place dans le monde. Puis rapidement, ce fut un langage. Fait que, parce que dans le fond, j'étais pas super bien avec moi-même. Fait que c'est vraiment par là que j'ai comme pu m'exprimer vraiment. C'est ça. Fait que dès l'adolescence, c'était important pour moi. Puis ce que j'exprimais, c'était pas nécessairement ce que je fais là, parce que c'est un cheminement aussi. Puis c'est pour ça que je trouve que mon art est un cheminement aussi pour moi. C'est vraiment. Il y a l'artiste, puis il y a Julie. C'est parce que je mets un i tréma sur mon oui, i. Pourquoi? C'est, ouais. C'est premièrement, le e était inutile, fait que je l'ai pris, j'ai mis une petite boule, puis je l'ai mis à côté du i. Fait que là, ça a fait Julie tréma. Mais c'est aussi pour m'identifier qu'il y a Julie, l'artiste, qui est courageuse, qui est quand même une certaine confiance. Mais il y a Julie E qui, elle, est comme plus timide, elle se cache beaucoup derrière ses tableaux. Et puis là, tu sais, le cheminement des années fait que là, je suis en train de peut-être devenir un avec tout ça. OK. Puis toi, ce que tu me disais, c'est que dans la vingtaine, tu as passé un temps difficile. Ouais. C'est, j'étais perdue, je m'aimais pas beaucoup. J'étais à la limite, suicidaire, c'est toutes des pensées très difficiles dans le fond, en dedans de moi, que, tu sais, je voyais le monde extérieur, puis j'avais de la misère beaucoup à m'identifier à tout ça. Mm-hmm. Fait que j'étais comme un peu dans mon espace, comme ça, un peu, beaucoup,
hyper émotive, hyper sensible. À l'époque, on n'en entendait pas beaucoup parler. C'est quoi l'hypersensibilité? Maintenant, on a toute une variété de lectures et de compréhension autour de ça. Mais je pense que je sentais beaucoup ce qui se passait autour de moi sans pouvoir l'identifier. Fait que, puis là, c'est avec le temps que j'ai compris qui je suis dans tout ça. Mais ça faisait que j'avais comme un mal-être intérieur. Et ça m'a amené à me poser des questions à l'intérieur de moi. Et j'ai ressenti un profond, comme disons une voix intérieure, mais tu sais, qui a dit, t'as quelque chose à dire. Puis je me suis vraiment accrochée à ça. Puis même quand ça allait plus bien, quand ça, ben, je me suis accrochée à cette idée-là très, très, très fort. Fait que, tu sais, à la limite, c'est rendu, je regarde mon art aujourd'hui, puis c'est un langage, c'est vraiment, j'ai des symboles, je parle de vraiment mon cheminement, je me vois à travers mes tableaux au fur et à mesure, puis on va en avoir quelques-uns de toute façon, là, on va regarder ça, mais puis c'est ça, c'est comme un équilibre, c'est vraiment mon langage. Je sais plus où je m'en allais avec ça, là, mais... Je suis là pour te ramener. Moi, ce que tu me dis, moi, j'ai trouvé ça, c'est que en faisant une recherche, c'est sûr, quand je prépare mes entrevues, j'ai vu un article où on parlait de toi, où tu avais passé de la fille qui faisait plus des tableaux de fleurs, puis ce que tu me dis après, de dinde, de poule, puis de jardinage, à un côté plus spirituel. Pourquoi ça a passé comme ça, d'un à l'autre? C'était là, en fait. Puis, si on peut regarder peut-être Oui. quelques œuvres. Alors, on a des toiles. Laquelle tu veux voir en premier? Oui, on va y aller, disons, avec la numéro 3. La numéro 3, ça sera pas Les long. portraits. Là, j'ai la 1, la 3, et voilà. Ouais. Alors, est-ce que tu la vois? C'est Oui, je la celle, vois. parfait, celle avec les cheveux verts et le papillon, un monarque. Oui, exactement. Cette toile-là, ben, ça fait partie peut-être des années, ça fait quand même 12, 13, 14 ans autour de cette période-là. J'étais déjà dans le monde féerique. La nature est super importante pour moi. Fait que moi, quand je te disais tantôt, à la vingtaine, c'était soit j'étais médicamentée, antidépression, antidépresseur et tout ça, ou je me suis comme tournée vers les plantes, vers la nature. Et mon art a suivi aussi. Enfin, je parlais beaucoup de la nature. La toile qu'on voyait, ben, dans le fond, les cheveux verts, c'est comme on est la nature. Donc, on se nourrit d'elle. Donc, on est un peu en harmonie avec elle. Mais tu Ah, vois, c'est pour les ça ailes de les cheveux papillon. verts. Oui, ouais. Les ailes de papillon avec le papillon, tu vois, c'est fait comme une rencontre entre un autre monde. Fait que déjà, je parlais de ça. Mais c'était très, les gens comprenaient pas trop. Puis je vais te dire, 10, 12, 13, 14 ans, tu sais, c'était pas évident de parler de ça, même que je faisais des œuvres avec des boules de lumière dans les mains. Tu sais, tu peux montrer la 4, la 5, tranquillement la 6. C'était des mondes comme ça, des personnages réels, parce que moi, au départ, je suis portraitiste, je fais du portrait sur commande, vraiment figuratif. Et j'ajoutais un aura, j'ajoutais tout ça. Fait que dans le fond, c'était là, je sentais, c'était comme, tu C'est une sais, le monde. énergie de lumière qui est là. Oui, c'est ça. Puis ça, dès la début de la vingtaine, je savais que c'était là, mais il n'y avait pas beaucoup de lecture, c'était pas à la mode, c'était pas, tu sais, fait que mais j'exprimais, j'avais cette opportunité-là, regarde, tu vois, la petite fille avec... Celle-là, c'est celle-là qui est chez ma belle-mère. Ah oui, ah J'imagine que oui! c'est pas l'original, là, par exemple. Je sais pas, mais Tu sais peut-être. pas. Parce que c'est justement, je l'ai vendu dans le coin de Montréal. Fait que ça se peut. Ah, En OK, tout elle cas. s'appelle. Oui, c'est ça. Je Je dirais pas son nom, mais oui. Hey, écoute, ben c'est, je suis contente que tu parles des cheveux verts parce que j'avais vraiment aimé ce côté-là, ces cheveux verts. Je trouvais ça original. Mais j'aime, ce que j'aime, c'est la douceur dans ta toile. Tu sais, j'aime, je sais pas casser, tu sais, il y a une douceur. Puis ça me fait penser quand je faisais du dessin, j'aimais ça beaucoup estomper les côtés, fait que ça me fait un peu penser à ça. Ben, c'est Je pense que je ça. vais te mettre à côté de la toile en même temps. Je sais pas si je suis capable de te C'est où ça? rechercher. Je vais essayer de te rechercher, voir si je suis capable de te faire. C'est parce que je veux qu'on te voie en même Ben temps. oui. Moi, je me vois dans le côté, mais... Et voilà. Fait que je vais faire, oui. On me voit pas, mais c'est pas grave. Je veux qu'on voit tes toiles. Fait que tu peux me les expliquer. Oui, Donc, c'est ça. la Fait que prochaine. l'amour de la nature puis de l'humain, tu vois, mais je mettais toujours une petite magie à côté. Il y a toujours eu la
sais, une autre dimension. La fille, oui. Ouais. Tu sais, qu'on ne peut pas parler parce qu'il fallait dans la team. En tout cas, moi, dans mon entourage, c'était pas, tu ne parlais pas de tout ça nécessairement. J'allais dans des symposiums de peinture. Tu sais, c'est quoi ça? Pourquoi ça? Fait que je me faisais beaucoup poser de questions. Fait que je me suis comme un peu mis à faire des choses un peu moins trop ésotériques, je te dirais. Ou, tu sais, rentrer là-dedans, c'était un peu... Puis, ben, c'est ça. Dans mon parcours, j'ai gagné des concours, j'ai été présidente d'honneur de symposium. Fait que, tu sais, c'était très attirant. Beaucoup les enfants, tout le monde d'enfance aussi était très attiré par mon travail. Oui, exact. Fait que, puis, tu sais, dans le fond, c'était mon enfant intérieur que je cheminais avec mon enfant intérieur aussi. Fait que, quand on regarde tout mon cheminement, c'est, je pense, un peu toute la recherche de mon harmonie intérieure, de me comprendre qui je suis. Je ne suis pas ce que la société veut que je sois. Je ne suis pas ce que la... Tu sais, moi, c'était beaucoup des questions, là. J'étais très... très... je me posais beaucoup de questions. Fait que ça me permettait d'avoir un équilibre. OK. Là, ben, j'ai évolué là-dedans. C'est ça. La nature, bien important. Tu vois, l'image 7 aussi, ça, c'est dernièrement, mais ça fait partie aussi quand même de... Moi, c'est pour moi, on est sur la Terre beau. Avec le monde de la matière, mais on est lumière. Ça, c'est vraiment les élémentaux. Hein? Ben, c'est, on est dans la nature, c'est vert, c'est on voit les petits êtres de la nature. Là, c'est t'es branché à ce monde-là, toi. Oh oui, je les sens. Moi, je jardine depuis que j'ai 20 ans. C'est un équilibre pour moi de travailler dans la terre, dans la nature. Fait, je les vois pas, mais je sais qu'ils sont là, sont très, très... C'est un équilibre, oui. Fait que pour moi, c'est important. Fait que là, est arrivé un moment, tu sais, là, j'ai cheminé, j'ai eu des... j'ai beaucoup cheminé avec, tu sais, dans nos souffrances aussi, tu sais, on veut les traverser, fait que, tu sais, la dépendance affective, tu sais, toutes ces affaires-là, on traverse, puis mon arbre, bon, il a suivi tout ça, parce que comme je te disais tantôt, au début, j'élevais mes poules, mes dindes, voilà 20 ans, ben je peignais des poules, des dindes, je n'ai pas mis en photo, mais c'était là pareil, tu sais, c'est... Puis là, mais en 2011... Toutes les circonstances faisaient que je dessinais des personnages assez... C'était plus dans des photos, là. C'était plus des photos avec des modèles, parce que je travaillais avec des modèles vivants. Là, c'était des dessins très imaginaires avec le troisième œil ouvert et tout ça. Mais jamais j'aurais osé mettre ça sur toile, tu sais. Oh non. C'était comme, non, c'était... Pour moi, c'était impossible. C'était trop flyé. Ouais, pour moi, dans mon monde, tu sais, par rapport aux autres, tu sais, comment je vais être jugée, comment je vais être perçue. Pour moi, c'était important à cette époque-là. Tu sais, ben, on vit tout à certains niveaux cette barrière-là, en fait. Okay. Et en 2012, je me suis permis de faire une exposition. Et là, tu peux montrer peut-être le suivant, le personnage avec le troisième œil. Attends, tu peux le numéro. La 10, non? La 8. La 8. Ouais. Ouais, c'est ça. Attends une minute, là. Celle-là, je le ferme. Ah, oh, c'est beau, ça. Ouais. Ben, ça, là, ça me parle. Ah, oh, ouais. Ouais. Ben, ça, c'est la première. C'est la première que j'ai fait. C'est suite à ça que quand je dessinais ces personnages-là, j'ai senti. Là, je me permets de dire ça parce que c'est toi, là, mais j'ai vraiment senti que. J'ai reçu le message, en fait, que. Je faisais le portrait d'être d'une autre dimension. Fait que pour moi, quand j'ai ressenti ça, tu sais, je pouvais plus douter. J'ai trop vécu d'expériences intérieures, de la méditation, des choses comme ça, qui faisaient que quand j'entends ça, ben ça... OK. Fait qu'on... Ah ouais, OK. Fait que je vais y aller. Et j'ai produit une vingtaine de tableaux, dont le neuvième, tu le vois aussi. Ça, c'était vraiment, écoute, le titre, je me souviens même pas c'est quoi. C'est des mots qui me viennent que je comprenais pas. C'était... Puis c'est, je sais que ça vient d'un autre quelque part. Une autre dimension. Ouais. Avec, oui, j'avais un nom pour ça. En tout cas, oui. Avec, ouais, puis t'as comme le côté, tu sais, les chakras, t'as comme le côté pierre précieuse, dans tes couleurs aussi. Pourquoi, tu sais, cette couleur-là en particulier? Ah ben là, ça c'est une autre histoire, c'est que je me c'est le tableau qui me le dit. Tu sais, avant ça, je faisais beaucoup pour moi.
T'sais, fait que j'étais quelqu'un qui n'était pas beaucoup enraciné, fait que je peignais beaucoup du rouge, des oranges. Je le fais encore, mais c'est différent. C'est plus pour la même. Moi, c'était pour m'enraciner. T'sais, dans le fond, pour les Ah. chakras de la racine, Oui. le plexus, le jaune, le vert. Fait que moi, ça m'harmonisait. Fait que je me posais pas de questions. C'est ça que j'ai envie. Tandis que là, c'était eux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu comprends? Tu sais, c'est spécial, hein, mais quand même, c'est Non, vraiment, non, là, mais je me j'aime pose ça. plus de questions. C'est les tableaux qui me disent qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que Hey, je pose wow. plus de questions avec les tableaux. C'est génial. Je jase avec mes toiles. Puis, parce qu'au niveau de la symbolique, toi, tu mets ce que tu crois, mais tu sais, en même temps, bon, si je regarde celui-là, là, on voit clairement ses troisième œil, l'épanouissement. Il y a le petit cœur, le petit bonhomme avec le petit cœur. Donc, ça a un côté cœur, un côté troisième œil. Puis là, au niveau, est-ce que c'est cœur ou plexus, le rond? Ce que tu vois là dans le bas, Comme là, un œuf. c'est deux mains comme ça. Ah, wow, OK. Parce que là, j'ai comme lâché le portrait figuratif et là, je symbolise les choses. Donc, il y a des mains, des fois, je vais faire des mains comme ça. Ben, c'est des mitaines, tu sais. À la limite, c'est plus des mains, mais oui, pourquoi pas un œuf, tu comprends-tu? C'est ça, à un moment donné, c'est ça qui se dessinait sur mon dessin et je suis plus dans le mental. Je laisse vraiment des images s'installer. Et comme moi, j'enseigne le dessin et la peinture à mes. Oh, j'aimerais tellement ça rester pas loin de chez vous, là. Je pense que, en tout cas, c'est. Les gens qui viennent à moi, ben, finalement, ils se rendent compte que c'est un. Pour eux aussi, ça devient un processus. Moi, j'enseigne à la même façon que moi, je me suis enseignée à faire de la peinture, c'est-à-dire, puis du dessin, c'est du travail, mais c'est du lâcher-prise. Fait que j'enseigne vraiment dans cette vision-là. Oui, puis en même temps, les gens, c'est plus juste de la peinture, là. Il doit avoir un travail intérieur. Dans le fond, s'ils t'ont demandé de faire ça, c'est que ça avait un impact. Ça avait un impact sur les gens chez eux. Tu sais, je veux dire, en regardant la toile, ça vient de travailler énergétiquement. Ben là, c'est ça. Moi, tu sais, je suis très humble dans ma vie. Moi, je porte ça. Je suis pas quelqu'un, mais je m'en rends compte, là, les gens, puis même moi. Mais les gens, quand ils sont devant un tableau, puis que c'est leur tableau, parce que là, depuis cette exposition-là, j'ai fait 20 tableaux. Le soir même, j'y vendais la moitié de ma production. Puis j'avais jamais vécu ça avant. Je vivais de mon art, mais là, c'était comme je n'ai besoin. Tu sais, c'est comme c'était ça. Puis depuis ce temps-là, là, ça fait 6-7 ans, je sais plus, 2012. Je vais aller dans les dates, mais c'est ça, c'est fou, là. Et les rencontres, une révélation, c'est Ouais. ça-là, d'une image, d'une décoration. Là. Ce que j'allais te poser comme question, c'est, bon, à ce moment-là, est-ce que tu as une histoire de quelqu'un qui a vécu quelque chose en lien avec ta toile? Ben oui, j'en ai plein. Bon, J'en ben, ai une celle qui t'a seule. le plus flabbergasté, comme on dit, là. Ben j'en ai plusieurs. Regarde, même juste en fin de semaine, j'avais un salon à Roberval. La dame arrive, puis ça fait plusieurs temps qu'elle veut s'acheter un tableau de moi. Puis là, ben, elle est exposante dans le salon. Là, elle arrive devant mon kiosque. C'est-tu aujourd'hui que j'achète ma toile? Puis là, ben, faut qu'il y ait un coup de cœur. Tu sais, je ne sais pas. Moi, j'emmène des toiles, mais j'ai aucune idée de ce qui sont à qui appartient la toile. Puis là, écoute, elle la regarde, puis là, j'en sors une qui était dans le coin. Là, j'y montre, puis là, je commence à l'expliquer. Écoute, là, je l'ai vu, les yeux, les larmes aux yeux, les frissons. Et là, moi, je ressens, je veux pas, je ressens tout ce qui se passe parce que je suis ouverte. Tac, ça me rentre dedans. Puis c'était son tableau. Le tableau même, en fait, ça faisait peut-être un an que je l'avais. Puis à qui va aller ce tableau-là? Puis ça a fait vraiment, là, c'était de toute C'est beauté. C'est oh ça, on mon, dirait que le tableau. c'est pas ça, c'est parce que pendant que tu me parles, OK, la toile en arrière de toi, là, avec la couronne puis le cœur, elle me Ben, c'est parle tellement, puis là, on dirait que ça monte, puis c'est tout en train de le dire en même temps que la madame. C'est Ben, fou, c'est là. ça. Bon. Mais ce tableau-là, il est incroyable. Ah, Pour moi, écoute, c'est il un me parle, là, tableau. c'est fou, là. Et au niveau du chakra couronne, et au niveau du cœur, et au niveau de l'énergie, et au niveau de la couronne. Ouais. Ben, c'est tout reprendre notre pouvoir, hein? Ah, il C'est Ah non, mais est-tu il est disponible. Il a comme toute sa couronne. Elle est comme dans son royaume, c'est d'or. Elle a sa propre cape d'or.
Elle a les mains comme ça. Ben là, il faudrait que je l'approche, mais elle a les mains de même, le cœur. Puis la couronne, c'est reprendre sa propre royauté. Tu sais, on est maître de notre vie. Moi, j'ai donné beaucoup mon pouvoir à plein, 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 plein de monde. Puis quand j'ai décidé de reprendre, ça a été très difficile, mais c'est quand on reprend ça, on est maître de notre vie, tu sais. C'est fou. Plutôt, c'est le même, ça se passe. Je m'attendais pas à ça. Ça a fait pouf! OK. Bon, ben, une chance qu'on n'est pas live. Ben, je Pas couper couperai ce pas. bout-là. Oui, c'est ça. Je vais pas couper au montage. Mais c'est ça. Ça vient chercher cette partie-là de nous, Ça, là. Puis, écoute. Puis, je l'ai vue sur Facebook. J'ai vu qu'elle était disponible. J'ai dit, ah, c'est supposé être à moi. Ça va être à moi. Tu sais, c'est bizarre. elle a une OK. grande sensibilité. Et puis, ouais, ah oh non, ben, ça ferait. Ça Ça se sent parle. de même, tu sais, c'est Oui. au-delà de. C'est tellement beau quand ça se fait que tu peux pas se Wow. poser de questions. Ah, mais c'est vraiment génial ce que tu fais. Ah. Parce que quand j'étais jeune, je faisais du portrait. Puis je Oui. me disais, ah, j'aimerais ça, dessiner l'âme de la personne. Ah. Dessiner pas le physique, Ouais. mais l'énergétique. Ben, Ouais. peut-être que je vais y arriver à un moment donné. Je vais juste prendre le temps, mais ça me Ben, parle, ça. c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, comme je disais tantôt. Dessinez-moi, là, mon cours de dessin, là, il est très de base. Tu sais, on dessine ce qu'on voit, on dessine des affaires, des dessins, des objets autour de nous. Mais la première chose que je leur dis, apprenez à dessiner ce que vous avez autour de vous et vous pourrez dessiner ce que vous avez dans le cœur. Tant que vous n'êtes pas capable de dessiner ce qu'il y a autour de vous, vous ne pourrez pas transmettre vraiment. Puis c'est pour ça, moi, c'est mon cheminement. Ça a pris 15 ans avant que je puisse peindre ces personnages-là, qui est très simple. C'est pas. Tu sais, des fois, je dis, moi, je suis pas une artiste vraiment pour l'art. Je suis une artiste pour la philosophie, pour le cœur, puis pour le. Pour Tu comprends? Si l'énergétique. j'avais pu écrire, j'aurais écrit. Ouais. Et c'est C'est ça. par là que ça passe pour toi. Ouais. Tu sens que tu as une canalisation quand tu le fais? T'es dans un état second, est-ce que tu fais de la méditation ou non? Moi, c'est la méditation. Je fais moins. Moi, j'ai un petit garçon de 5 ans. J'ai été maman dans le tard. À 38 ans, j'ai tombé enceinte. Puis c'est merveilleux. C'est mon petit garçon Ariel est venu nous trouver. C'est merveilleux. Puis là, je lis moins, je médite moins. Je suis moins, tu sais, c'est de la vie matérielle, mais je suis tout le temps en canalisation. Tu sais, dans le fond, c'est comme si ça se passait tout le temps parce que mon hypersensibilité est là. Puis c'est beaucoup quand je peins. Ma méditation, je la fais là. C'est des moments. Puis c'est pour ça que je peux pas. Moi, j'ai pas d'autre boulot, là. C'est vraiment mon boulot à temps plein. Puis j'ai besoin de journées entières à moi toute seule. T'sais. Puis à faire tranquille. J'enseigne 2 jours semaine, c'est suffisant. C'est pour moi, pour avoir un équilibre aussi avec le social, parce que je suis quand même toute seule, là, souvent. Oui, d'accord. Ouais, Ben mais. oui, hein, dans ton atelier, c'est ça. Les artistes, c'est souvent ça. Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis bien. Puis là, je vais dans des salons, c'est 2 jours intenses, puis après ça, je reviens dans mes. Est-ce que au niveau des autres toiles, est-ce qu'on peut continuer à en Oui. parler? Oui, ben tu peux mettre la 10. La 10. Ouais. C'est juste pour revenir un OK. peu avec les symboliques aussi, que celle-là, je l'ai mise. C'est dans les premières là, que j'ai sorti de ce type-là, parce que quand je dis que je peins l'invisible, j'essaie de rendre visible ce qui est invisible. Ben, tu sais, moi, j'ai appris à méditer en allant à Vipassana. Je sais pas si tu connais Vipassana. Ouais, un peu. Okay. Fait, je suis allée plusieurs fois. Moi, ça a été une grande révélation pour moi. C'est vraiment touché que, enfin, je comprenais qui j'étais à cause que je vivais déjà des choses comme ça, mais je ne savais pas comment le gérer. Fait que là, j'ai appris. Fait que beaucoup, on est dans notre doudou, tu sais, quand on médite, là. Fait que c'est pour ça que je Oui. faisais tous des bonhommes avec une doudou, tu sais, comme ça. Puis là, ben, j'ai mis les guides, tu sais. Puis le titre, c'est Nous sommes là. Tu Ah, c'est bon. sais, fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on a notre lumière, on est un rayonnement, un peu comme dans les mystiques, comme Jésus ou même Bouddha, on voit les, tu sais, l'auréole. L'aura, ou l'auréole. Ouais, c'est ça. Fait que souvent, je vais faire ça comme ça. Tu vois, les étoiles autour, tu sais, on est une poussière d'étoiles. Fait que même le petit personnage, Ouais, c'est au niveau du cou. ça. Ouais, c'est ça. Mes bonhommes, ils ont beaucoup ça. C'est que, au-delà du matériel, quand je me dévoile, je suis une poussière d'étoiles. Tu sais, fait que on est autre chose que la matière. OK, C'est pour ça c'est que j'exprime beau. ça. Wow. Fait que la nature, hein, toujours l'enracinement, enraciner le divin
dans, tu sais, mettre le divin dans notre matière. Exact. Pour avoir un équilibre entre le ciel et la terre, c'est tellement important. Même c'est encore plus important d'être tellement enraciné pour aller plus haut. Tu sais, Absolument. Trop vraiment. flyé, ça marche pas, t'es pas à Non, terre, ben puis non, c'est ça. Puis tu veux même pas être sur la terre, tu sais. non, c'est ça. C'est bon. Exact. Ensuite, Et la prochaine, 11 la 11. peut-être. La Oui, ça, c'est un 11. magnifique tableau que j'ai Wow. fait. Très Tu mets simple, en fait. des feuilles d'or, hein, avec? Ouais, Oh, c'est elle est nouveau. Moi, belle. j'essaye ça, Ah, j'explore l'ADN. Oui, ben, regarde, tu vois, il y a 13 tourniquettes, mettons, là, tourne, je ne sais pas quoi, là. C'est l'ADN, hein. On est en grand changement, je pense, en tout cas, au niveau humanitaire. L'humain, en tant que tel, on déprogramme des affaires, là. Tu sais, quand on veut changer, puis qu'on, tu sais, il y a beaucoup de gens, là, qui passent on fait des gros changements dans nos vies, ben ça, je pense, ça change au niveau très profond. Puis j'avais le goût de présenter celle-là parce qu'elle représente beaucoup ça. Tu sais, que ça vient d'en haut, c'est branché en haut, en bas. Tu sais, elle est toute là, elle est toute dans sa méditation, dans sa doudou. Le cœur blanc, quand je fais un cœur blanc, là, c'est l'amour de soi. C'est important. T'sais. Puis quand je fais un cœur rouge, c'est l'amour relationnel avec les autres, avec nos enfants, avec le monde de l'extérieur. Ça, c'est un symbole à moi. C'est moi qui jase avec le tableau, puis ça me dit ça, mais quelqu'un pourrait dire autre chose, tu comprends? Fait que des fois, les symboliques, c'est... Il y a comme aussi des fleurs de vie en Ben, je arrière. suis dans l'image. Fait que qu'est-ce qui est la base, la racine de toutes les formes? Ben, c'est la fleur de vie, comme on l'a enseigné dans les livres, tout ça, tu sais, c'est une forme primale où ce que toutes les sphères, les cubes, c'est tout là-dedans. Faut que j'arrête de regarder ton tableau en arrière, j'ai juste le goût de broyer. Coudon. Ah, Aïe, aïe, aïe. c'est OK, ben là, c'est bon, personne ne me voit. la je t'entends, je te sens aussi, c'est, ça me Mon touche beaucoup, ça Dieu, me faut touche que énormément. j'arrête. OK. Bon, ben, je confirme qu'il y a un effet avec tes tableaux. Ben là, écoute, puis j'aimerais ça parler quelque chose aussi. J'ai Ouais. déjà fait un tableau. C'est tellement beau. OK, c'est. Puis elle va se reconnaître, mais je sais que ça ne dérange pas que. Je pense pas que ça dérange que j'en parle. C'est une maman, elle a perdu sa fille qui est morte d'une maladie. Fait que là, après son dessin, elle m'a écrit: Julie, tu peux-tu faire le dessin de. Tu sais, je fais des dessins numériques. C'est un portrait numérique, mais tu sais, elle dit pour ma fille qui est décédée que ça va être au salon mortuaire, ou je sais pas trop. Pendant. Bon, Aïe, là, j'ai quelques jours, là, elle vient de décéder. Puis c'est sa fille dans l'au-delà qui a demandé, parce qu'elle était capable aïe. De de connecter. Fait que je dis parfait, OK, pas trop. Fait que là, je fais super beau, un beau dessin. C'était super, elle est tellement belle, elle est tellement fine, tu sais, puis tout ça. Fait que j'envoie ça. Fait que première connexion avec cette jeune fille-là, qui est de l'autre bord. Puis plusieurs mois plus tard, peut-être un an, je sais plus, j'ai pas de notion du temps, je peignais le matin avec mes élèves et toute l'avant-midi, ça me disait prends-toi une toile vierge, puis. Direct. Moi, je fais jamais, très rarement direct. Moi, c'est du décroquis, puis après ça, je le fais sur toile. Et là, fait que là, mes étudiants partent, je mets le tableau, et là, il s'est dessiné un dessin, et là, je suis en communication avec cette fille-là, qui me dit, ma mère, elle aime les fleurs, mets des fleurs, elle va savoir que je suis là. Fais ta 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 ta. Là, je l'ai pas mis dans les images parce que j'ai un flash de te l'expliquer, mais j'étais vraiment, et tu sais, j'ai dit, c'est-tu vraiment toi? Tu sais, dans ma tête, tu sais, j'exprimais ça, mais je savais que c'était elle. Puis quand j'ai dit, regarde, là, j'ai fait un tableau, j'ai senti tellement profondément que c'était ta fille, tu sais, puis que. Et là, elle a même montré les émotions, elle voit ça, puis là, elle l'a montré à sa petite sœur, la petite sœur, elle n'est pas vieille, puis elle a montré, c'est, je sais pas, on va dire, tata, je ne sais pas c'est quoi son surnom de la jeune fille qui était décédée, puis elle l'a reconnue. Puis pourtant, c'est un bonhomme, là, comme les miens, comme je fais, mais avec des symboles, elle m'a tout dit quoi mettre. Puis j'étais tellement à hâte, là, ça, c'est pas souvent, là, en tout cas, ça fait partie des expériences lucides. Mais, tu sais, Branché avec l'autre côté. ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça assez spécial. Fait que, petite anecdote. Tu peux D'accord. mettre la douce, si on parle de symbole un peu, là, ça c'est une autre belle aventure avec un tableau. Attends un petit peu. Fait que c'était pourquoi, Marie?
Oui, c'est ça, ben, c'est Marie parce qu'on voit le Sacré-Cœur, puis il y a des larmes et tout ça. Fait que moi, ce que j'ai vécu, j'étais comme dans une souffrance, une grande peine, puis bon, dans, tu sais, on vient comme en méditation, un peu en transe quand on est comme en peine, tu sais. J'ai eu comme vraiment une image d'un ciel étoilé, puis ça m'a dit, tu portes le Sacré-Cœur. Mais là, je ne savais pas c'est quoi le Sacré-Cœur. Les images qu'on a, c'est Marie avec, tu sais, puis on voit le cœur, puis l'épée, puis le sang, puis c'est assez Oui, intense comme image. exact. Puis le lendemain, j'ai comme étudié tout ça, puis j'ai fait le tableau que je voulais te montrer. OK. Mais tu sais, c'est que ça exprime ce tableau-là qui, moi, je le trouve super puissant, là. C'est que, tu sais, le Marie, elle a les cheveux dégagés, premièrement. Puis sur l'image avec les étoiles et tout ça, puis elle a des larmes de lumière. Puis quand on traverse notre souffrance, c'est le cœur qui s'ouvre et le cœur, en ouvrant, t'sais, libère la souffrance. T'sais. Fait que tu deviens comme au-delà de. C'est comme pour exprimer, dans le fond, comment dire, des guérisons. C'est un tableau de guérison, puis il est quand même assez démonstrateur des symboliques que je peux aller chercher. Ensuite de ça, donc, ben, on peut pas. Est-ce qu'il y en avait d'autres au niveau de tes toiles que tu voulais Ben, parler? je l'avais mis une autre, mais là, vu que non, c'était juste pour montrer que dans le fond, les yeux fermés, c'est pourquoi j'ai fait beaucoup. Là, les gens qui vont aller voir sur mon site, ben, vous allez voir que je faisais beaucoup les yeux fermés. Mais c'était beaucoup pour dire vos réponses sont à l'intérieur de vous. C'est pas dans le monde extérieur. Fermez vos yeux, allez voir. Fait que par la méditation, par toutes nos visualisations qu'on peut faire et tout ça. Puis, à un moment donné, il est venu que j'ai ouvert les yeux de mes personnages. Puis là, ça a fait comme quand même les gens. Ah, Julie ouvre les yeux, mais dans le fond, c'est plus la vision, une autre vision. C'est assez puissant. Quand je commence à ouvrir les yeux de mes personnages, qu'on en voit plusieurs, là, ça donne un autre message aussi. Alors, au niveau des symboliques, est-ce que tu c'est pensé ou c'est juste canalisé? Toi, tu mets ce que tu ressens ou est-ce que volontairement tu mets une symbolique? Oui, si j'ai quelque chose, quand j'ai un message à transmettre, je vais mettre une symbolique particulière, l'enracinement, beaucoup les cheveux qui s'enracinent, ça, c'est quelque chose que pour Ah moi, c'est oui, important. oui. Il y a un bonhomme, il y a une image aussi que je mets souvent, un bonhomme allumette dans le front. Oui, mais on en a vu un au Oui, début, avec ben, le petit cœur. exactement. Ben, pour moi, c'est, parce que moi, bon, je suis catholique, ben, tu sais, j'ai été élevée dans le monde du catholicisme, puis Jésus crucifié sur sa croix. Moi, j'étais plus capable de voir ça, parce que dans le fond, on sait qu'on peut faire comme Jésus, ben, tous ces enseignements-là, comme les maîtres, dans le fond. Puis pour moi, c'est Jésus ressuscité. Ça représente, c'est comme un bonhomme de même, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est au-delà de. C'est l'énergie Christique, je pourrais dire ça de même. OK. Ça représente ça. Fait que je le représente comme ça. Après ça, c'est sûr, le feuillage, hein, la nature. Beaucoup, mes bonhommes, ils ont beaucoup de feuilles, ils ont beaucoup de. Tu sais, dans les cheveux, la nature. Les plumes de paon, on voit souvent des plumes de paon dans mes. Ça, on m'a dit que c'était troisième œil, les plumes de paon. Ah oui, il y a ça, c'en est un qui est en production sur mon Ouais. chevalet. Puis, ben, Je tu pense que vois, c'est moi. Catherine qui m'a dit que les plumes de paon, c'est lié au troisième œil. Ah oui, bon, ben, Oui, tu vois. parce qu'il y a un œil dans. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, Ah. tant mieux. Ben moi, je le vois. En tout cas, moi, ma vision, quand je le fais, c'est beaucoup. C'est l'immortalité. C'est tout ce qui est éternel, tout ce qui est l'âme immortelle. Puis c'est comme moi, je fais des petits bonhommes au lieu de faire des yeux, justement. Je fais des. Ça fait des petits bonhommes un peu encore comme mon énergie christique. Fait que je m'amuse là-dedans. Tu sais, à un moment donné, je viens comme je fais beaucoup de tableaux pour dire un peu dans la même symbolique parce que. Tu veux pas, la demande est là, fait que si je réponds à ça, mais comme là, le gars, juste lui, dans ma tête, ça vaut. Il n'est pas fini, il n'est pas vernis. C'est drôle, hein? Je sens un côté indien là-dedans. Oui, ouais. Ben ça, j'étais dans le bois, tu sais, avec mon chum, puis la forêt est tellement apaisante, puis tu sais, c'est comme ça que je me sentais. Puis le soleil, ça symbolise le masculin. Fait que j'étais, moi, avec mon amoureux, tu sais, dans le fond, puis ça devient un équilibre aussi en moi, mon masculin et mon féminin sacré, dans la nature.
le monde rond, tu sais, puis là, j'ai fait comme des lignes très linéaires, tout ça, fait que, tu sais, Ah. niveau pictural, ça fait carré, ça fait... Tu Ça sais, c'est fait un comme... équilibre hein, entre Ouais. ouais, entre La... le féminin et puis le masculin dans le fond. exactement. Fait que moi, je suis beaucoup Ah. là-dedans ces temps-ci, cette entièreté-là, tu sais, Tu de notre travailles être. sur toi en même temps là-dessus, Ouais, c'est sur ton ça, côté exactement. féminin masculin. Exactement. Okay. Ouais. C'est ça, C'est c'est le fun. tout. Ah, écoute, et puis là, bon, on s'en va en France. Oui. Donc, c'est quoi ton but? Mon C'est but, ton ben. premier voyage en France. Ouais. Donc, avec les Français, tu vas Oui. traîner ton cahier, puis là. Oui, ben, tu sais, c'est sûr que c'est un rêve, hein, depuis que j'ai 20 ans, depuis que je veux être artiste, ça fait très longtemps, c'est ça que je voulais faire très jeune, mais on ne sait jamais comment ça va tourner, hein, une carrière d'artiste. J'ai étudié en graphisme finalement, mais c'était pour avoir un métier, mais j'ai jamais travaillé là-dedans. Mais c'est ça, on rêve de ça, tu sais, en tant qu'artiste. Là, ce que je comprends de ce voyage-là, parce que ça m'a été, je pensais pas faire ça maintenant. Mon enfant a 5 ans, tu sais, c'est tout un, tu sais, c'est 3 semaines que je pars. Puis il y avait quand même une gestion à ce niveau-là. Ce que je comprends, dans le fond, j'y vais pour ma carrière, mais j'y vais pour moi aussi en tant que... Et c'est comme si, moi, ce que je vois, là, c'est que cette année peut être une année où ce que, tu sais, la Julie E, que j'ai travaillé, ça fait 20 ans que je travaille sur mon passé à être mieux, à être bien en dedans de moi, nanana, et la courageuse artiste, elle, qui m'amène à m'amener, tu sais, elle m'amène à faire des choses comme ça que normalement, probablement, j'aurais jamais fait ça, tu sais, si j'avais pas été artiste. Fait que ce voyage-là, je pense que c'est une rencontre avec moi-même aussi, en tant que défi, en tant qu'être humain. Je suis pas une voyageuse, tu sais, d'être propulsée dans un, des gens qu'on connaît pas. J'y vais tout seul, ben avec des amis, des gens que je connais un peu. J'y vais avec une amie, Josée, qui va m'accompagner aussi. Puis, mais tu sais, c'est pas... C'est ça, fait que c'est... Je pense que je le vois comme ça. C'est vraiment pour unifier. Il y a une question d'unification en dedans de moi avec l'artiste puis la Julie. Puis maintenant, on va être prêt à aller dans une autre étape. Plus aller dans le passé tout le temps. Puis que, tu sais, les blessures, on dirait que c'est réglé, là. J'ai réglé bien des affaires dans de moi. Puis là, ben ça, c'est comme peut-être un cadeau. Mais puis mon but là-bas, c'est de dessiner. Je vais peindre un peu, mais je vais surtout dessiner. Aller. Toucher l'énergie de là-bas. Je me sens proche des Français dans le sens que c'est l'histoire, c'est la culture, on va aller voir des musées, je pense que Cathy, elle nous Oui, on est supposé cache aller voir le pas musée mal. Dalí en Espagne. Pour moi, c'est une chance inespérée puis, qui se réalise. Fait que, t'sais, puis je vois mon art là-dedans, c'est sûr que c'est elle qui m'a amené là. Là. Fait que je suis ça, mais puis c'est pour ma confiance en moi et tout ça. D'accord. Fait Ben Julie, je sais qu'il y a des belles choses qui se dessinent pour toi dans le futur. Et puis, mais on va profiter pleinement du moment présent, puis encore plus au mois de mai. J'ai tellement hâte, là. Et vraiment, puis, je vraiment. sais qu'on va vivre quelque chose de profond, puis probablement spirituel. Alors, ben, j'ai hâte de te voir en mai. Je te Moi souhaite le aussi, vraiment. meilleur d'ici ce temps-là. Et puis, ben, je vous embrasse à tous. Alors, je vais mettre l'entrevue sur le portail. Ça a vraiment gelé de partout sur mon logiciel. J'arrive plus. Fait qu'il va falloir que je ferme tout. C'est mondial, ça a l'air. Ouh! Aïe, aïe, aïe. Fait que c'était une drôle de journée. intéressant. C'est clair. Fait que je t'embrasse. Moi Puis, aussi. on se revoit au mois de mai, Julie. Mais, hey, non, je te reparle. Je veux la toile. Ah oui, ben on se Je te jasera. referme. Reste là. Bye. Salut!